Il faut battre le show pendant qu'il est fait. Défi Sir Thomas 3, mode de jeu hardcore. La planète des cires. Oui, par défaut, non, non. On crée un nouveau monde. Et puis, du coup, je vais refaire l'intro. Hein. On a le temps. J1 dit on a le temps de faire la saison 3 et la saison 4. C'est pas gentil, ça. Pas de feuille pour le run 3. Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison du défi Sir Thomas. Malheureusement, la saison 2 a été très très courte. Donc on est reparti pour une saison 3. Bon, ça sera la dernière, hein. Si je loupe, tant pis. Hein. On va essayer d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus prudent et pas aller faire le kikou dans une faille avant d'être bien stuffé, quoi. Allez, c'est parti, on crée notre monde, donc on est en hardcore, en 1.14.4, on essaye de faire le plus de progrès possible en mourant le plus tard possible, donc si possible après le troisième épisode. Et j'avais fait 18 épisodes pour la saison 1, hein. 3 épisodes pour la saison 2, pour la saison 3 je meurs au premier. C'est pas bon du tout cet écran là. On est d'accord ? C'est pas bon du tout cet écran noir. Et les saisons se suivent. Ouais, la saison 1, en fait, j'ai bien assuré, quoi. Et la saison 2, c'était complètement poète-poète, hein. Ouais, du coup, faut que je refasse tout. Donc. Défi Sir Thomas 3. Mode de jeu hardcore. Plus d'options. La graine, on la met là. Oui, 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 oui. Crée un nouveau monde. Et ce coup-ci, ça marche. Je peux lancer le minuteur. On est parti pour donc le premier épisode de la saison 3. Il est possible de mourir dans MC avant de le lancer. C'est surtout MC qui est mort là. Donc ça compte pas. Ah, c'est dommage, tu l'as raté, Shinchi. Bah tu verras les épisodes. C'était héroïque. Héroïquement bête. Bon, on est reparti, on connaît ça par cœur maintenant. On casse un arbre, patati patata. Bon, c'est ma dernière tentative, hein, donc je vais essayer de faire attention. Et arrêter de mourir bêtement. En fuyant comme un couard, comme un pleutre. Hop. Hop, allez, on se fait. J'ai ma Minecraft qui est un peu trop bas. Voilà. Alors, on va se faire. Bon, on mélange tout. Hop, hop. On va juste se faire une pioche et une pelle. Tiens, pourquoi il me les met là? On va aller chercher de la cobble, des cailloux. Et un premier progrès. Oui, on recommence le décompte. J'écris saison 3. Non, n'insistez pas, il n'y aura pas de saison 4. Oui, en fait, vous avez raison, avec les quand il y a des gros problèmes de ligne. Ah, je devrais peut-être pas faire ça. Pour aller chercher... Parce que du coup, c'est pas éclairé. Hein, on est d'accord. Donc on va se stuffer un peu mieux. Hop. Donc ça, on va le jeter. Hein. Pop, 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 pop. On se fait une petite épée tout de suite. Ah oui, non, c'est pas comme ça une épée. C'est plutôt comme ça. Tac, 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 tac. Et puis, deuxième progrès. Oh, 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 qualité supérieure. Et puis, c'est tout.
Une hache. Et on va récupérer la table de craft. Oh, j'ai tout récupéré mes cochonneries là. Je ne veux plus de vous. Vous avez été bien utile, vous avez bien servi. Alors, où peut donc bien se trouver le village? Oh, le petit renard. Donc il faut trouver le marais. Il doit être par là. Je sens qu'il est par là. Et c'est pas de la lave que j'ai entendu là? Bloup 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 bloup. Ouais, bloup bloup bloup. Il y a de la lave là. Alors, le marais. Donc le village est là-bas. Ne perdons pas de temps. Prenons quand même des baies sucrées. Oh, voilà le village. Oh, un PNJ. Oh, des bébés PNJ. Alors, on va leur piquer le lit. Voilà. On va leur piquer le pain. Oh, il y a de la patate, là. Ah, c'est pas toujours les mêmes choses dans les coffres. Il n'y avait pas de patate, le dernier coup. Ah, ça aurait été bien qu'il y ait des carottes. Oui, c'est sûr, je vais pas aller voir la lave. Hein. Hop. Allez. Ouais, carte vierge. Boussole, ça peut servir, ça. Ah, et je voulais mettre un datapack qui affichait le temps de jeu. Bon, tant pis. On va refaire comme tout à l'heure, hein, on va refaire un petit escalier. Par contre j'en ai peut-être pas besoin de... D'autant j'en avais fait beaucoup. Ouais, avec 6 ça va suffire. Hop. En fait avec 3 ça suffisait. Hop. Et là j'ai quoi? Ah j'ai pas les armures, j'ai que le cuir. Et j'ai que 2 cuirs par contre. Ah, comme quoi des fois ouais, les coffres c'est bien, c'est moins bien. Bon, ben on va aller faire tout de suite de la planter notre jardinet. Le lit, je vais le remettre là-haut. Ça, bah je laisse là. Et du pain, j'en avais beaucoup plus. Donc on va planter les 2 patates. On va se récupérer des graines. On plante un petit jardinet. J'ai quasiment... Si, je vais faire un... Alors il n'y a pas de champ dans ce village-là, il est triste à mourir ce champ, ce village. C'est vraiment pas... Donc si on survit longtemps... J'ai ma gorge qui picote, je sais pas pourquoi. On ira s'installer très très vite ailleurs. Hop, il me faut une houe. Hop, hop, hop. On plante les 2 patates. Pac, pac, pac. On plante aussi la graine de blé. Et hop, un 3e progrès. Oh, oh. Je faisais les signes comme ça, hein. Hop, 3. Non, on va être très prudent. Du coup, ça va peut-être être moins fun parce que vu les risques que je prends. Et ça, si on les plante, ouais, ça fait un. On peut faire une barrière aussi pour empêcher les bestioles de passer. Par contre, on peut plus passer non plus.
Ah, j'en ai mis une. Ah, et quand là je la cache, j'ai plus rien. Ok. Il est où mon champ? Il est là-bas. J'ai quoi? 5 graines? Vu le rendement, il faut en mettre plusieurs, hein. 6 graines. Graines. Bon. Voilà. On a fait des plantations. Il y avait des poules. On pourrait avoir facilement un autre progrès si on a 2 graines. Vache. Une. Allez, une deuxième. Ah, voilà, une deuxième. Il y avait des poulettes. Alors, elles étaient par où? Je me demande si elles étaient pas là-bas. Ah, ils ont quand même un ponton. Ah, il y a de l'argile. Il y avait des poulettes par là. Allez, on nage. Les poulettes, code 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 Kodak. Il y avait plus d'animaux à la saison 2, hein. Là, il y a un peu que Pouic, hein. On n'entend même pas leur, on n'entend même pas leur son. Ah, on va se récupérer. Quoi, vous savez? Oh bah là, j'ai de la graine. Hein. Bon ben là-bas il y a les vaches. C'est bon à savoir. Mais il y avait des vaches, il y avait des moutons, il y avait un petit cochon. Là il y a beaucoup moins de choses. Il n'y a que des vaches. Bon, dès qu'on a un seau, on pourra se prendre un verre de lait. Alors il va faire nuit. On va aller se planquer. Oh bah 5, j'aurais pu en planter. On va aller les planter. Ça prenne nos vaches, on pourra les reproduire. Voilà. Si on trouve des poules, il sera toujours temps de les... Alors comme on va pas refaire la même chose, on refera pas de... Je vais peut-être pas reprotéger le village. Ah, j'ai mon quatrième progrès. Tadam, 4. Combien j'en avais fait à la saison 2? 9, hein. Ouais, 9. Ouais, c'est pas mal, 9, hein. Bon, on va essayer d'aller chercher les premiers... On va essayer d'aller chercher du charbon et du fer. Pour améliorer le stuff. Enfin, l'outillage. Nous ferait une pioche, un bouclier. Et alors le charbon, c'est pas compliqué. On connaît le village par cœur maintenant. Non, c'est pas là. Et là, il n'y a pas d'arbre devant. Il y a juste un bosquet. Alors. Ah, je peux manger les baies sucrées. Ah, du coup, il faut que je remette à zéro. Ouais, heureusement, j'avais pas mangé grand chose. J'avais pas tué grand chose. Oh là là. Les animaux à reproduire, bah, j'avais fait que les poules. Et les biomes à vasiter, bah, soit en pétaïga, on vient de les faire en fait. Hein. J'avais pas mis à jour le truc. Hein. C'est là que les ennuis vont commencer. Non, pas tout de suite. Là, enfin pas là, c'est plus en bas. Là on va chercher du charbon pour avoir... des torches. Ils sont encore en train de tomber les... Et voilà le charbon, toujours au même endroit, fidèle au poste. C'est pratique d'avoir toujours la même graine, hein. La cidre.
Alors, je vais peut-être en faire une tout de suite de torche pour que vous voyez clair. Puis que... Jouez la sécurité, hein. La saison 3, c'est la saison de la sécurité. On blinde tout. Fini l'amateurisme, la rigolade. Maintenant, on est des professionnels. On ne meurt plus. Avant le 18e épisode, et avant d'avoir au moins la moitié des progrès, donc 31 progrès. Donc c'est un défi pas mal à faire, hein. Je vous encourage à le... Ah ben, là le mouton. Je vous encourage à le faire. C'est sympa. Bon, ça permet de progresser un petit peu. Alors, on va mettre... on va manquer de bois. Donc on va se faire des torches. Et on va aller rechercher du bois parce qu'on ne va pas aller dans les profondeurs. Sans bois. La 2, la sécurité. Non mais attends, voyons. Oh, et descends toi. Et tu vas descendre. Ah voilà. J'en ai combien? 10. Bon, 10 ça fait pas mal. J'en prends plus. Jouons la sécurité. Nous allons couper du bois pendant 2 épisodes. Bon alors, en fait, il y a toujours le squelette qui est là, quoi. Hein? Vous avez vu le réflexe que j'ai? Je l'évite. On va descendre là. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, en fait. Hein. Alors, je sais pas si c'était là ou si c'était de l'autre côté, en fait. Hein. On va faire un tournicotis. Parce qu'en fait, je crois que c'est par là. Ah ouais, c'est ça. Oula. On va mettre une torchinette. Alors les torches, on va les mettre juste à côté. Là, j'en ai pas besoin. Là où j'aurais pas dû la prendre. Il est parti, et puis là. Normalement, il y avait un creeper ici. Là. Il y a du fer. Cool. Oui, la fuite. Le squelette, en fait, si t'as un bouclier, faut pas fuir. Faut foncer dedans, quoi. Mais comme il y avait des courants d'eau, je me suis dit, je vais être mal embarqué. C'est le courant d'eau qui m'a perturbé. Et ouais. Quand on a un bouclier, en fait, le réflexe, c'est un mauvais réflexe de fuir. Il faut aller de l'avant. Un creeper qui pète, ça peut même le bouclier te fait rien, te protège en fait. Hein. Je l'avais déjà fait à je sais plus quel épisode à la saison 1. Le problème, c'est que c'est pas un réflexe naturel qu'on a. Il y a une araignée dans le coin. Ah ouais, là il y a un truc plus haut. Oula. Alors je mets les torches à droite, hein. Puisque... salut fantôme, merci pour le suivi. Ah oui, c'était là que je voulais retourner. Parce que là, c'est souvent chaud à cause de... qu'ils peuvent descendre de là. Donc ça, c'est dangereux. Hein? Ah, et c'est là qu'on descendait au niveau très 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 bas. Sauf si ça se finit en... Eh non, ça se finit pas en cul-de-sac. Et si, ça se finit en cul-de-sac. Bon. On est à combien? On est à 28. Eh... Et merci pour le suivi, fantôme 777. Ça va. Ça pourrait aller mieux. Hein. On aurait pu ne pas mourir bêtement tout à l'heure lors d'un défi hardcore.
cool. Pas la bonne. Voilà. Alors, encore la meilleure façon de s'en sortir, hein. Le faire exploser à distance. Un peu de charbon, d'XP, mais surtout je vais commencer à faire cuire. On va pas rester là, ou alors on va d'abord se faire cuire. Ouais. Tu vas pas me péter, mais. Je me suis trompé de bloc, mais j'espère qu'il va pas me péter mes blocs de fer, ce petit saligo là. S'il me voit pas, il fait pas pchit. Petit. Avec une épée comme ça. Oula! Ah, j'ai cru que c'était bon. Voilà! Et notre cinquième progrès! 5! Bon, on va récupérer les blocs et puis on va en mettre d'autres. Voilà. Alors on va faire un four. Et fin du premier épisode. On a quand même fait pas mal de choses dans ce premier épisode. On a 5 progrès. On est déjà dans la faille. On y est depuis un moment. Je pense que les PNJ vont mourir, mais tant pis pour eux. Hein. Tant pis pour eux. Voilà. Donc toujours debout, toujours vivant. J'espère que ça va durer longtemps. Et ça rime en plus. Je vais bientôt pouvoir écrire des chansons. Donc au revoir, à la prochaine.